supplémentaires. Le premier, c'est que nos échanges s'inscrivent dans le cadre de ce nouveau chapitre, de cette nouvelle ère, de cette nouvelle étape ouverte hier par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République française, M. Macron. Les deux diplomaties, sous l'autorité des deux chefs d'État, vont s'inscrire dans cet esprit de partenariat exemplaire, partenariat exceptionnel. Et les deux diplomaties vont veiller à ce que cet état d'esprit qui a prévalu dans les échanges entre les deux chefs d'État soit aussi décliné au quotidien dans les instances, dans les relations bilatérales, mais aussi dans les instances régionales, internationales et multilatérales. Donc, c'est une nouvelle phase, c'est une nouvelle étape. Et ça va juste parler d'un nouveau livre qu'on est en train d'écrire pour cette relation profonde et riche. Le deuxième point, c'est par rapport à cette déclaration qu'ont signée hier les deux chefs d'État. C'est un document de référence, c'est le document qui va guider cette nouvelle étape. Cette déclaration tire sa force d'abord de ses signataires, Sa Majesté le roi Mohamed VI, a signé que des documents diplomatiques qui ont donné lieu à une forte impulsion des relations du Maroc avec ses partenaires. Peu de documents diplomatiques ont été signés par Sa Majesté. Et les documents qui ont été signés ont donné lieu à une impulsion forte, comme je l'ai dit, dans les relations et dans les partenariats. Donc c'est un élément important. Deuxièmement, la force de cette déclaration, c'est aussi son contenu, puisque cette déclaration définit les principes qui vont guider cette nouvelle étape, précise la gouvernance de cette nouvelle étape, les secteurs clés de notre partenariat, le champ territorial d'application, puisqu'il reprend la position exprimée par le président de la République dans sa lettre à Sa Majesté le roi de Juillet. Donc, la déclaration entre le Maroc et la France sur le partenariat d'exception renforcé est l'élément qui va guider notre action à l'avenir également en tant que diplomatie. Troisièmement, et c'est mentionné d'ailleurs dans la déclaration, les deux diplomaties ont des champs de déploiement parfois communs, qui sont l'Afrique, qui sont la Méditerranée, qui sont le Moyen-Orient. Ce sont des différentes aires de déploiement. Les diplomaties marocaines et françaises seront renforcées. Nous vivons dans un contexte très difficile, toutes ces régions, mais aussi plein d'opportunités. Et le Maroc et la France renforceront les mécanismes de concertation et renforceront les mécanismes de coordination. Mon dernier point, c'est sur la question du Sahara marocain. Et je pense que Sa Majesté le roi a eu à exprimer ses remerciements et sa gratitude au président lors du discours devant le Parlement au mois d'octobre. Et les discussions poursuivies entre Sa Majesté le roi et le président ont permis aujourd'hui d'opérationnaliser des éléments de contenu dans la lettre du 30 juillet. Aujourd'hui, il y a eu la carte qui a évolué et qui reflète cette nouvelle position et qui est inscrite qui est insérée dans le site officiel du Quai d'Orsay, c'est un élément important. L'élargissement de la circonscription consulaire pour couvrir le Sahara et d'autres éléments. Et ce qu'a dit le président ce matin, ce que tu as dit, Jean-Noël, par rapport à l'action économique, commerciale française au Sahara, sont des éléments qui montrent que l'évolution de la position française n'est pas seulement une formule diplomatique, mais qu'il est déclinée en acte opérationnel très important et très apprécié.
qui s'inscrit, comme je l'ai dit, dans ce dialogue permanent sur cette question entre Sa Majesté le roi et le président, mais qui s'inscrit aussi dans un cadre plus large, qui est cette dynamique positive que connaît le dossier du Sahara marocain depuis un certain nombre d'années sur l'évolution de Sa Majesté le roi et qui va se poursuivre. On est à la veille d'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité et la France, de par son rôle au sein du Conseil de sécurité, de par sa connaissance de la genèse et de l'évolution de ce conflit, a un rôle important à jouer dans ce cadre. Donc, je pense que Sa Majesté le roi et le président ouvrent une nouvelle étape et que cette étape servira à la relation bilatérale, servira à les deux peuples, mais surtout aura un impact sur la région à laquelle nous appartenons. Merci. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.